Bonjour à tous. Cette activité de formation portera sur la fiabilité de l'information sur le web, particulièrement en sciences de la santé. Mon nom est Monique Clark, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de la Santé. Je suis la bibliothécaire ressource pour les programmes de médecine, microbiologie, immunologie et sciences biomédicales. Vous êtes sans doute déjà un peu familier avec les critères d'évaluation de l'information sur le web. De façon très résumée, on pourrait dire que ça se résume à se poser certaines questions. Donc, qui, pourquoi, quoi, et quand? Donc, le qui, autorité de la source, c'est-à-dire l'auteur qui est derrière le site web, et aussi pourquoi, la motivation de cet auteur-là. Le quoi, la qualité, la validité du contenu. Et on peut rajouter aussi un pourquoi. Donc, parfois, il y a une sélection du contenu, pourquoi ce contenu-là a été choisi par la source plutôt que d'autres. Et le quand, bien sûr, il s'agit de la mise à jour. Je vais surtout vous parler de l'autorité de la source et la qualité et validité du contenu. Donc, la mise à jour est aussi importante, mais c'est beaucoup plus facile à vérifier. Les deux autres éléments, c'est un peu plus difficile de valider ces deux critères-là. Donc, on va travailler un petit peu plus là-dessus. Et chacun de ces trois critères-là est important dans le sens que ça peut permettre, dans un critère qui n'est pas valable, d'écarter une source. Donc, je commence par vous montrer quelques exemples de sujets où il sera important pour vous d'exercer votre esprit critique. Les sciences de la santé, c'est un domaine où il y a beaucoup d'enjeux, il peut y avoir beaucoup d'intérêts économiques, des enjeux sociaux controversés, des agendas politiques ou des agendas reliés à des convictions personnelles. Donc, quelques exemples de sujets qui peuvent être vraiment délicats. Donc, enjeux sociaux, la vaccination, les soins en fin de vie, avortement, cannabis. Donc, tous ces sujets-là, il faut vraiment faire attention à l'information qu'on trouve. Au niveau des intérêts économiques, donc quelques exemples dans le spectre des sciences de la santé, le blanchiment des dents, traitement médicamenteux, les lentilles colorées, traitement alternatif ou homéopathique. Donc, on commence avec l'autorité de la source, le qui. Il faut se demander si c'est un auteur fiable dans le domaine, donc une source fiable. Est-ce que c'est un organisme en sciences de la santé, une association, un spécialiste reconnu, une université reconnue, un site gouvernemental? Déjà là, ça peut nous donner un bon point de départ, pour savoir si la source, est fiable. Si vous n'arrivez pas à identifier que l'auteur est fiable, cherchez des informations ailleurs que sur le site même à propos de cet auteur-là, parce que bien sûr, les informations données sur le site, on n'est pas sûr que c'est bon. On peut les regarder et à partir de ce qui est donné là, on peut aller voir ailleurs. Donc, il peut y avoir des indices. Si l'auteur a donné des conférences, on peut aller vérifier à ce niveau-là. Si l'auteur indique qu'il a écrit des livres sur le sujet, on peut aller vérifier que le livre existe bien. Donc oui, on peut se servir des infos sur la source qui sont sur le site, mais on peut à partir de là et aller voir ailleurs si tout ça est exact. N'oubliez pas aussi de regarder le domaine URL et le nom du site web avant de cliquer dessus. Est-ce que l'adresse URL reflète bien la filiation mentionnée? Donc, il peut y avoir le code de site qui sont frauduleux. Donc, assurez-vous que l'adresse est conforme avant de poursuivre. Toujours en lien avec l'autorité de la source, il faut se demander aussi pourquoi, quelles sont les motivations de l'auteur. Un organisme fiable présentera généralement de l'information valable, mais il est néanmoins possible qu'il y ait un biais d'intérêt de l'information. Par exemple, un organisme gouvernemental aura une approche populationnelle et se conformera généralement aux politiques gouvernementales en place. Donc, l'information, elle risque d'être valable, mais il est possible qu'il manque certaines choses à cause de ce biais d'intérêt. Donc, conseil général qui va revenir tout au long de la formation, ne consultez pas qu'un seul site, allez toujours compléter là, en utilisant plusieurs sites. Donc, un exemple spécifique d'un site web, donc ici le site de richardbéliveau.org, la page des champignons bons pour la mémoire. Voici des exemples de sections qui vont receler de l'information sur la source. Donc, droit d'auteur, accessibilité, confidentialité, partenaire, à propos. Donc, tout ça peut vous donner beaucoup d'infos. Un extrait ici, provenant du site de Richard Béliveau.
Donc, il semble être membre d'une chaire. Vous avez la mission de la chaire. Vous avez les autres membres de l'équipe, les partenaires de cette chaire-là. Des informations sur M. Béliveau en tant que tel. Donc, les livres qu'il a publiés, les conférences qu'il a données, les entrevues qu'il a données. Donc, tout ça est riche de matériel qu'on peut aller vérifier si c'est bien exact. Donc, les livres, est-ce que les livres sont disponibles en librairie, en bibliothèque? Est-ce qu'il y a eu des critiques sur ces livres-là? Est-ce que ces critiques-là sont positives? Les conférences, dans quel contexte les conférences ont été données? Les entrevues, auprès de quels médias elles ont été données? Est-ce qu'on est capable d'aller repérer ces entrevues, donc qu'elles sont bien réelles? Dans le coin info, vous allez nous joindre et devrez toujours avoir possibilité de joindre la source, les auteurs d'un site web. Donc, assurez-vous que cette option-là est disponible. Il existe aussi quelque chose qui s'appelle WHOIS, donc qui permet d'enregistrer un domaine. Fait noter, j'en profite pour mentionner que l'extension .org, qu'on associe souvent aux organismes sans but lucratif, n'est pas limitée à ceux-ci. Donc, un site commercial pourrait décider d'enregistrer son site avec une extension .org. Donc, ne vous fiez pas à ça pour déterminer que c'est bien un organisme sans but lucratif. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, pour revenir à WHOIS, au Canada, toutes les adresses qui finissent par une extension .ca sont enregistrées au niveau du CIRA. Donc, vous pouvez aller chercher toutes les informations sur les propriétaires de ce site-là en entrant l'adresse. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un site.ca, donc il faudrait aller sur un OIS international. Vous avez un exemple ici, OIS.net. Donc, on irait sur ce site-là, on entrerait l'adresse www.richardbeliveau.org et ça nous dirait qui a enregistré ce site-là. Donc, vous l'avez ici, la recherche a été faite, ce site-là est enregistré au nom de l'UQAM. Donc, la chaire de Richard Béliveau est affiliée à l'UQAM. Donc, vous avez devant vous le site web pour la mycose des ongles. Je vais vous faire chercher dans le premier exercice tout à l'heure pour savoir qui est propriétaire, qui est la source de ce site-là. On nous dit ici qu'il est développé par les dermatologues de Skin Care Guide. Donc, on peut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. On verra ça tout à l'heure. Donc, pour le premier exercice, je vous posais la question de vérifier à qui appartient le site mycosedesongles.ca. Je vous référais au site CIRA ou IS. Donc, vous devriez avoir entré l'adresse sur le site du CIRA et vous avez alors été en mesure d'identifier que ce site-là appartenait à Bausch Health Canada. Si vous ne saviez pas de qui il s'agit, vous pouviez chercher sur le web et ça vous donnait toutes les informations à l'effet que c'était une compagnie pharmaceutique. Donc, de là, je vous posais deux questions. D'après vous, est-ce que c'est une source d'information fiable? Ce que je peux vous dire pour l'information qui se trouve sur les sites de compagnies pharmaceutiques, c'est qu'en général, ce qui est là est fiable. Ils ne vont pas mettre de l'information non valable sur leur site. Le gros questionnement, c'est au niveau du choix de l'information qui est mise. Donc, il y a vraiment généralement un biais parce qu'ils ont un fort intérêt financier sur le sujet. Donc, faites attention au biais de sélection d'informations. Donc, oui, vous pouvez prendre l'information qui se trouve sur un site de compagnie pharmaceutique, mais elle va nécessairement être incomplète. Deuxième critère, la qualité, la validité du contenu, le quoi? Plusieurs questions à se poser. Donc, la première, est-ce que tous les aspects du sujet sont couverts et à quel niveau de détail? Mais comment savoir? Vous n'êtes pas nécessairement un expert dans le sujet, donc consultez d'autres sources. Ça va vous permettre de recouper l'information et de voir si le sujet est bien couvert sur ce site-là. Est-ce que l'information est vérifiable? Est-ce que les sources sont citées? Donc, comme on vous demande dans vos travaux académiques de citer vos sources, c'est la même chose pour les sites web. Ils devraient avoir des références, donc les sources d'information qui ont été utilisées pour créer ce site-là.
Aussi, n'hésitez pas à suivre les liens vers certaines sources. C'est facile de citer hors contexte pour se donner de la crédibilité. Donc, on cite une étude dans une revue médicale prestigieuse, mais quand on va voir cette étude-là, est-ce qu'elle est bien pertinente là, par rapport au contexte dans lequel elle a été citée? Ça peut être quelque chose d'intéressant à vérifier et ça peut vraiment amener certaines surprises. Des liens, est-ce qu'il y a des liens vers des sites extérieurs? Donc, très souvent, on s'attend à voir aussi de l'information complémentaire qu'on peut aller voir ailleurs. Donc, s'il y en a, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Encore là, n'hésitez pas à suivre les liens. En même temps, ça vous fait une petite vérification de la mise à jour. Est-ce que les liens sont encore fonctionnels? Et ça vous montre si ce qu'on vous propose comme site extérieur semble bon ou pas. Pour l'exercice 2, je vous demandais de regarder un billet de blog et d'identifier s'il y avait des problèmes par rapport à ce billet-là. Pour vous faciliter la vie, je vous ai donné 5 extraits tirés de la page d'accueil de cette page-là. Le danger des plombages dentaires, de l'amalgame dentaire pour votre santé. Et je vous disais que moi, j'avais au moins 5 types de choses différentes qui me préoccupaient sur ce site-là. Il y en a qui sont évidentes, il y en a peut-être que vous n'avez pas trouvé. Donc, la première chose pour moi, dès le titre, il y avait une faute de français. Donc, il manquait le S, plombage dentaire. Dentaire n'avait pas de S. Donc, on peut être indulgent au niveau des fautes de français parfois, mais quand c'est déjà au niveau du titre, c'est déjà embêtant. Ensuite de ça, vous avez peut-être remarqué qu'aucune des références qui mentionnaient n'était citée. Donc, on était incapable d'aller vérifier la validité de leur source. Troisièmement, vocabulaire alarmiste, donc certains exemples assez gros. Donc, ce sont des indices aussi là, qu'il y a quelque chose là, que l'auteur n'est pas neutre. Donc, j'avais remarqué les mots présence massive, agression, ravage, danger. Donc, ce sont des éléments intéressants à noter là, pour identifier qu'il y a probablement un biais au niveau de l'information. Il y a la publicité. Les étudiants me le mentionnent souvent rapidement. Oui, ça peut être problématique, mais faites attention à ce critère-là. Donc, il peut avoir une excellente source d'information qui est hébergée sur un site où la publicité va être là d'office, donc automatiquement. Donc, parfois, on peut être indulgent au niveau de la publicité. Et finalement, il y avait un dernier point. Où on vous disait qu'il y avait certaines données qui étaient irréfutables. Sauvez-vous en courant là, si vous voyez qu'on vous dit que de l'information en sciences de la santé est irréfutable. C'est un mot qui ne devrait jamais être utilisé. Je viens de vous parler de l'importance d'avoir les références qui sont citées dans le contenu. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sites web conçus pour le grand public, les patients et leurs proches qui ne citent malheureusement pas leurs sources. Souvent, c'est parce que ces sites-là sont faits par un organisme reconnu, donc qu'ils ont une très grande expertise dans le domaine. L'information qui est partagée avec les patients, c'est de l'information de base, donc qui ne nécessite pas nécessairement de citer des références. Donc, si l'auteur vous semble valable et que le contenu vous semble de qualité, encore là, vérifiez avec d'autres sites. Et si tout ça vous semble bon, c'est un cas où même s'il n'y a pas de référence citée, ça peut être un site qui peut être utilisé là, dans le contexte d'information grand public. Autre point par rapport au contenu d'un site web, c'est important de vérifier le but du site web, donc le pourquoi, qui va avoir un impact sur le contenu qui est sélectionné, et aussi les clientèles visées. Donc ici, c'est un exemple où la clientèle visée est une personne à la recherche d'informations sur les dépendances. Donc c'est un site sur les dépendances. Et dans ce cas-ci, on parle de la consommation d'alcool et de drogue chez la femme enceinte. Donc ce qu'il faut savoir, ce contenu n'est pas nécessairement adapté pour une clientèle différente. Si vous remarquez, le premier lien est sur le syndrome d'alcoolisme.
boulimie fœtale. Donc, ça peut faire peur à quelqu'un qui arrive là, qui n'est pas nécessairement dans un contexte là, de dépendance. Donc, très important là, de marier le site avec la clientèle qui est visée. Un exemple d'exactitude de citation. Je vais vous faire travailler là-dessus dans l'exercice 3, qui va être le dernier exercice. Donc, je vous lis un extrait publié dans un billet de blog en novembre 2016 par un professionnel de la santé au Québec. Donc, même la très conservatrice Cochrane Database, banque de données de revues systématiques, affirme en 2013 que les extraits d'artichauts ont pour effet de réduire le cholestérol. Donc, je vais vous demander d'aller vérifier la validité de cette citation-là. À noter que les revues systématiques, ce sont des articles qui regroupent des données provenant de plusieurs autres études. Donc ça augmente le niveau de pertinence là, de ce type d'article-là. Et la base de données Cochrane, c'est une ressource très bien cotée là, pour la qualité de l'information qu'elle publie. On a tendance à évaluer ce qu'on voit, mais n'oubliez pas que vous devez aussi vérifier ce qui est manquant. Donc, aller voir d'autres sources, oui, je me répète, mais c'est comme un élément primordial. Donc, et s'il manque des choses, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il manque des informations? Est-ce que ça reflète un biais qui pourrait être dérangeant, donc qui pourrait faire en sorte que ça va vous faire douter de l'impartialité de cette source-là, de cet auteur-là? Donc, un pourquoi ici par rapport au contenu. Pourquoi c'est ce contenu-là? Pourquoi il manque certaines choses? C'est une question importante à se poser. Et on peut se demander, est-ce qu'une omission peut parfois être considérée comme un mensonge? Donc, à réfléchir là-dessus, si vous voyez qu'il y a des gros pans d'informations qui ne sont pas là, même si l'information qui est là est de très bonne qualité. Donc, pour le dernier exercice, je voulais que vous alliez vérifier une citation qui était donnée, dont vous l'aviez, je peux vous la relire. Même la très conservatrice Cochrane Database affirme en 2013 que les extraits d'artichauts ont pour effet de réduire le cholestérol. Donc, ça se trouvait dans un billet de blog publié en 2016 par un professionnel de la santé au Québec. Donc, je vous donnais la référence vers le résumé de cette revue systématique Cochrane dans la base de données PubMed. Donc, vous pouviez suivre le lien ou si vous allez sur PubMed, vous pouvez entrer le numéro correspondant à cette référence d'article-là. Vous aviez deux indices de choses à regarder qui faisaient en sorte que cette citation-là était un peu douteuse là, dans le contexte qu'elle était donnée. La première, je vous disais de vérifier si la mise à jour qui avait été faite en mai 2016 dans la référence. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'en mai 2016, il était indiqué « withdrawn », qui veut dire « retiré ». Donc, ça voulait dire que cet article-là était retiré et vous aviez un lien vers la mise à jour de l'article. Donc, normalement, on ne doit jamais citer un article qui est retiré. Il faut vraiment utiliser la mise à jour. Vous pourriez me dire qu'on est à quelques mois, donc citer en novembre 2016 et retiré en mai 2016. Effectivement, c'est une erreur qui pourrait être excusable pour l'auteur. J'ai par contre pris la peine de lui écrire. On a eu un échange de courriels nombreux. En lui expliquant la situation qu'il ne devait pas citer cette référence-là. Donc, je lui ai écrit plusieurs fois pour bien expliquer la chose et il n'a pas retiré sa citation. Donc, je ne pense pas qu'on peut être indulgent à ce niveau-là. Le deuxième point, c'était carrément l'information. Je vous donnais l'indice d'aller lire la conclusion des auteurs. Et si vous vérifiez la conclusion, donc dans l'extrait du billet de blog, ça dit que Cochrane affirme en 2013. Donc, quand on affirme, c'est qu'on se base sur des données solides. Donc, si vous regardez la définition du mot « affirmer ». Par contre, quand vous regardez les conclusions de l'auteur, on dit « The evidence is as yet not convincing ».
on ne peut certainement pas considérer ça comme une affirmation. Donc, c'est un cas blatant, là, où on cite quelque chose d'extrêmement renommé. Donc, Cochrane, c'est vraiment quelque chose de très reconnu. Et quand on suit la référence, on se rend compte que c'est mal cité. Et ça a été utilisé pour donner de la crédibilité à l'affirmation. Quelques mots sur la qualité et la validité du contenu au niveau des revues scientifiques. Vous avez peut-être tendance à vous dire c'est une revue scientifique, j'ai pas à me poser des questions. Donc, on va élaborer un petit peu là-dessus. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une revue scientifique? Elle contient des articles rédigés par des experts du domaine, universitaires, chercheurs. La plupart de ces revues voient leurs articles approuvés par un comité de lecture, ou on peut dire aussi qu'elles sont révisées par les pairs, peer review en anglais. Comment les identifier? Généralement, ces revues-là se retrouvent indexées, donc elles sont accessibles via les grandes bases de données en sciences de la santé, donc entre autres Medline, PubMed. Vous avez aussi des revues associatives, donc publiées par des associations en sciences de la santé. Donc parfois, elles vont avoir le format plutôt d'avoir un ou deux articles scientifiques. Et beaucoup de contenus qui vont être plus des chroniques, des critiques de livres dans le domaine. Donc, un contenu assez varié. Donc, ces revues-là vont être considérées comme valables aussi. Les revues populaires, donc versus revues scientifiques, en général, dans les travaux au niveau universitaire, on va éviter d'utiliser ces sources non scientifiques, magazines, journaux, à moins bien sûr que le travail porte sur ces sources d'information, sur le contenu qui leur est propre. Si vous avez à faire un travail sur l'information sur un sujet qui est diffusé auprès du grand public, c'est bien sûr que vos sources d'information vont se trouver dans des sources populaires. Il arrive occasionnellement que d'excellentes revues scientifiques publient des recherches qui se révéleront erronées ou même frauduleuses. Donc, erronée, une erreur de bonne foi a été faite, frauduleuse, mais les erreurs n'ont pas été faites de bonne foi. Il y a vraiment eu manipulation de l'information. Donc, ici, c'est un exemple célèbre. Le titre vous dit peut-être rien. Peut-être que le nom d'Andrew Wakefield vous dit quelque chose. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à taper son nom dans un engin de recherche. Vous allez tout de suite avoir de l'information parce que cet article-là fait encore des vagues aujourd'hui. Et M. Wakefield n'est plus dans le domaine scientifique, mais il est toujours très actif au niveau de certains groupes de pression dans la société. Donc, cet article-là a été publié dans le Lancet, une revue médicale extrêmement prestigieuse, en 1998. Vous voyez ensuite qu'il y a eu un correctif d'apporté en 2004 et l'article a été rétracté en 2010. La capture d'écran vous montre la première page de l'article. Donc, un article qui est rétracté ne disparaît pas, donc on peut toujours y accéder. Mais vous voyez qu'on ne peut pas manquer le fait qu'il est retracted. Donc, le texte apparaît en rouge sur chacune des pages retracted. Bien sûr, ça c'est pour la version électronique. Si vous regardez l'année 98, cette revue-là existait aussi en format papier à l'époque. C'est sûr qu'il n'y a pas de correction dans la version papier. C'est intéressant de voir. Donc, comme je vous disais, Andrew Wakefield est toujours actif. Donc, ceci, ça touche un sujet extrêmement controversé. On peut retrouver photocopies, donc des numérisations de la copie papier qui ont été déposées par des groupes de pression sur le web. Et dans ce temps-là, le texte retracted n'apparaît pas sur chacune des pages. Donc, à peu près une fois par année, je refais la recherche pour vérifier si ça se trouve encore. Et généralement, c'est le cas. Donc, il est possible de trouver une copie numérisée. En fouillant là, un petit peu sur le web, c'est sûr que ce n'est pas sur le site du Lancet, donc qui a été déposé par des groupes de pression en lien avec ce sujet-là. À gauche, vous avez Retraction Watch, c'est un site web intéressant où ils font le suivi des études là, qui ont été rétractées. Ils vont faire aussi des pressions. Donc, il va y avoir des billets qui vont être publiés là pour souligner des problèmes des études et qui souvent vont mener ensuite à une rétraction de l'étude. Toujours au niveau des revues scientifiques,
Donc ici, je vais vous parler de revues qui ne sont pas des revues scientifiques, mais qui prétendent l'être. Donc vous avez ce qu'on appelle des revues prédatrices. Elles sont apparues avec le libre accès à l'information scientifique. Donc quand on parle du libre accès, c'est un modèle un peu différent du modèle traditionnel des revues scientifiques. Donc traditionnellement, une revue scientifique, il fallait s'y abonner pour y avoir accès. Libre accès, la revue est accessible à tous et les auteurs doivent payer pour publier dans cette revue. Donc, c'est comme ça que le journal se finance. Il y en a des excellentes. Par contre, certaines revues en libre accès ont pour seul but de faire de l'argent. Donc, elles vont publier n'importe quoi en autant que l'auteur paye et elles vont aussi solliciter directement les chercheurs à travers le monde et contacter les diplômés ayant déposé leur mémoire ou thèse dans un dépôt institutionnel. Donc, bien sûr, ce sont des revues à éviter. Il existe aussi des revues biaisées en sciences de la santé, donc qui ont pour seul but d'influencer l'opinion publique et les politiques en santé. Elles peuvent vraiment copier le format standard d'une revue scientifique tout en n'en étant pas. Elles sont généralement financées par des groupes de pression. Donc, comment les éviter? Bien, on revient aussi à la notion, mais ces revues-là ne seront pas dans les bases de données reconnues telles que Medline et PubMed. On termine avec la mise à jour, donc le camp. Comme je vous disais au tout début, c'est relativement facile à vérifier, mais c'est à faire. Donc la science, ça évolue. Les liens URL, ça bouge souvent. Donc s'assurer que ce que vous consultez est bien à jour. Donc les questions à se poser, est-ce que la date de création est présente sur la page? Est-ce que la date de la dernière mise à jour et la fréquence des mises à jour sont indiquées? Est-ce que la date est précisée pour les différentes parties du site? Puis finalement, est-ce que les liens proposés sont-ils toujours actifs? Les deux éléments là-dedans que je vais vérifier systématiquement, c'est vraiment la date de la dernière mise à jour. Si la date de création n'est pas là, ça peut plus ou moins me déranger. La fréquence des mises à jour, c'est assez rare qu'on va l'avoir. C'est intéressant de le savoir, mais bon, si c'est absent, c'est pas nécessairement trop grave. Date pour les différentes parties du site, oui, ça peut être intéressant. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de très vieux, là, que vous êtes parti d'un endroit puis vous aboutissez à quelque chose qui n'est pas du tout à jour. Sinon, j'aime beaucoup vérifier si les liens proposés sont actifs. C'est souvent un indice intéressant. Si les liens ne fonctionnent plus, il y a un problème avec le site. Et c'est pas là, mais je vais regarder aussi les références. Donc, quand je les regarde pour vérifier la validité du contenu, je vais porter attention à la date de quand. Donc, si toutes les références citées datent d'il y a une dizaine d'années, je vais considérer que c'est problématique. Et plus le sujet est d'actualité, plus on va réduire donc notre tolérance là, sur l'ancienneté des références citées. Donc, soyez attentifs aussi à ce qui est cité. Est-ce que c'est récent ou pas? Je termine en vous référant à un guide sur le site web des bibliothèques. Vous avez l'adresse ici. La fiabilité de l'information, vous retrouvez les trois critères que je vous ai mentionnés. Vous en avez un quatrième que je n'ai pas mentionné, facilité d'utilisation. C'est souvent un critère qui est beaucoup plus personnel. Donc, vous pourrez aller voir ce qu'il y a à ce niveau-là. Mais je le trouvais peut-être un peu moins intéressant que les trois autres. Sinon, vous avez plusieurs vidéos qui sont intéressantes à regarder. Si vous posez des questions sur la pertinence de Wikipédia comme source d'information, vous avez une vidéo qui est très bien faite qui se trouve sur cette page-là. Et vous avez le foutaisomètre fait par mon collègue Pascal Martinoli, qui est bibliothécaire à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. Certains points sont beaucoup plus appropriés pour le domaine effectivement des lettres et sciences humaines, mais c'est quand même un outil intéressant, donc qui fonctionne avec du pointage, donc il vous donne toute une série de critères à regarder et vous accorder un pointage à chacun des critères avec à la fin, donc selon votre pointage, est-ce que le site vous semble valable ou pas. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir ça. Je vous remercie de votre attention et bonne recherche et exploration sur le web. N'hésitez pas à nous contacter pendant tout votre parcours académique. Vous avez ici le numéro de téléphone du bureau de la référence de la Bibliothèque de la Santé.
On a un service de clavardage qui s'appelle Une question. Vous pouvez rejoindre l'équipe générale là, par courriel. Et sinon, si vous voulez consulter directement votre bibliothécaire pour les questions plus pointues, vous pouvez suivre le lien ci-dessous ou aller dans la section Nous joindre sur le site web des bibliothèques et vous allez pouvoir identifier là, le bibliothécaire dans votre discipline. Merci.